n'a rien contre eux, hein, malheureusement. C'est pas eux. Ouais, il y avait ce qu'il fallait, les gars. Je leur préviens qu'on s'arrête bien à vous, là-bas. Ils sont... Jordan, tout ça, ils sont avant le pont de Saint-Cloud. Ils veulent qu'on s'arrête au même niveau qu'eux. Ils sont juste après, là. On bloque, allez, on bloque. Allez, bloqué, bloqué. Ben je trouve que c'est inadmissible de bloquer les gens comme ça pour des raisons personnelles ou des choses personnelles. Nous, il y a des gens qui travaillent, on a besoin de travailler, donc c'est pas normal, quoi. Mais eux, ils vont vous répondre qu'eux aussi, ils veulent travailler, qu'on les en empêche. Oui, mais moi, je les empêche pas de travailler, mais qu'ils m'empêchent pas de travailler, moi, si vous voulez. Que je peux comprendre les problématiques de chacun, mais que bah, on est toujours pris en otage. Voilà. Bah, que moi, j'aimerais bien travailler, je suis à mon compte, et que je suis coincé depuis ce matin, et que je gagne pas ma vie. Voilà. Je dois commencer à 9h30 et je suis toujours là. Bah parce qu'il y a je sais pas combien de manifs et si encore ils avaient leurs droits, je comprendrais. Mais ils embêtent juste les quelques Parisiens qui vont travailler. Bah je trouve que c'est inutile, ça empêche juste, enfin ça nous empêche de bouger, on a envie de faire autre chose quoi, genre rester dans les bouchons là, c'est... Enfin je trouve ça... Je trouve que ça c'est inutile leur manifestation. Ils ont d'autres choses, ils peuvent faire d'autres choses que gêner des gens qui ont rien à faire de cette situation quoi. Ils peuvent aller manifester chez eux dans des endroits pour pas gêner tout le monde comme ça quoi. Et bah là on continue toujours le blocage pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'annulation du marché de Noël des Champs-Élysées, pour les décisions qui sont faites unilatéralement par la mairie de Paris, c'est-à-dire arrêt de la fête de la Bastille, arrêt du Grand Palais, arrêt du marché de Noël, arrêt également, suppression de 50% de la superficie de la foire du trône. Donc là on fait un blocage pour se faire entendre et pour les personnes qui s'occupent de nous, les syndicats, puissent se faire entendre et avoir un moyen de pression. Et ben, on avait envie de bloquer dans les deux sens pour se faire encore entendre encore une fois, parce que les décisions qui sont prises sont faites sans nous consulter. Et ce qui est déplorable, c'est un mépris qui est total de la part des mairies. Et nous on veut pas l'affrontement. On veut qu'il y ait une discussion envers les mairies et nous pour pouvoir avoir un dialogue constructif pour permettre de pouvoir travailler, parce que ce qu'on cherche dans l'absolu, c'est de pouvoir continuer à travailler. Après, qu'il y ait des règles qui soient faites, on est tout à fait d'accord, mais il faut que ça soit, faut qu'il y ait un dialogue, il faut arrêter le mépris, il faut arrêter de nous prendre pour des moins que rien. On veut travailler et continuer à faire notre métier qui est notre passion. On ne veut pas faire de chantage, parce que hier, Madame Hidalgo disait qu'il faut arrêter le chantage, mais le chantage, on le fait parce qu'il n'y a pas de dialogue. Nous, moi, ce que j'ai envie de dire à Madame Hidalgo et au Conseil de Paris, c'est d'avoir un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Alors quand il n'y a pas de dialogue, eh ben, on fait le forcing. Et tant qu'on n'aura pas un dialogue, eh ben, on forcera. Eh ben, on est bloqué, voilà, on bloque. Alors on bloque un jour, on bloque le périph', demain, on va bloquer autre chose. Et puis, si après-demain, il y a encore un problème, et puis qu'il n'y a pas de dialogue, on veut du dialogue. Alors, qui est un dialogue, et après on arrêtera de bloquer. Ça ne nous amuse pas. On est dans un pays maintenant qu'on est obligé de bloquer pour se faire entendre. Et bien s'il faut continuer jusqu'à temps qu'il y ait un dialogue, et bien on continuera à bloquer. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Et la seule façon d'être écouté, c'est ça. On est vraiment désolé pour tous les franciliens et tous les habitants d'Île-de-France, que moi-même on habite d'Île-de-France, on est désolé. Mais ça fait plus d'un an qu'on n'a pas de dialogue, qu'il n'y a aucune réunion avec nos syndicats par rapport à notre métier. Là, toutes les décisions qui sont prises sont à notre insu.
On le sait par les journaux, sur Internet. Là, hier soir, il y a eu décision de supprimer de 50% la foire du trône, ce qui est complètement intolérable. Donc, à l'horizon 2019, il y a 250 familles qui ne pourront pas faire la foire du trône. Pour qui, pourquoi, ils n'ont rien demandé, ces gens-là. On leur a rien dit. C'est intolérable. Donc, tant qu'ils prendront des décisions intolérables à notre égard, eh ben nous, on utilisera notre pouvoir, nos camions, et on bloquera les routes. Ha 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 ha.